imyaka itageze kuri ine nyuma y'uruzinduko rwa Papa Yohani Paulo wa kabiri I Kigali, Abanyarwanda benshi bibutse aya magambo atunguranye ku musozo w'ijambo rye, bamenye urupfu rwa Sipiriyani na Daforoze Rugamba. Imyaka mbike mbere yaho, Sipiriyani, umunyabwenge akaba n'umusizi uzwi cyane, yari yaragarukiye Imana kubera isengesho ry'umugore we Daforoza. Ukuri abagirana k'urukundo n'amahoro by'uru rugo byari bizwi na bose. Mu gitondo cyo kuwa karindwi mata 1994 mu masaha ya mbere ya Jenoside y'agahomamunwa yashegesha u Rwanda, Sipiriyani na Daforoze ndetse n'abatandatu mu bana babo icumi biciwe iwabo nyuma y'ijoro bamaze basenga. Ici, nous sommes chez Cyprien Daforoze Rugamba, une maison qu'ils ont habitée depuis 1989 jusqu'à 1994. Quand je viens ici, c'est comme si je venais à la maison. Je venais rencontrer mes parents. Francisco Xavier Ngarambe, n'umuyobozi wa communauté Emmanuel, yashinzwe na Cyprien na Daforoze mu Rwanda. Rimwe na rimwe, ajya agaruka muri iyi nzu, aho umuryango wabaye imyaka yawo ya nyuma. Ici, c'est la chapelle. C'était le garage qui a été transformé en chapelle. Il y avait, bon, c'est le plus important dans une chapelle, c'est le tabernacle. Donc, il était là. Voilà. Donc, et donc, c'est ici, dans la louange, on voyait Cyprien et Daforoze danser. Ni muri iyi chapelle, umuryango waraye usenga. Ijuru rya nyuma mbere yo kwicwa ku itariki ya karindwi mata mu gitondo. Kuri uwo munsi, batatu mu bana babo icumi ntibari bari mu rugo, naho uwa kane witwaga Siridari yararusimbutse. Inkuru yabwiye abavandimwe be n'igituma hamenyekana ibihe bya nyuma umuryango wabayemo. D'après ce que Siridari nous a dit, les militaires, quand ils sont venus, il y avait papa, maman, six frères et sœurs. Une fille de mon cousin Zitoni qui avait passé la nuit chez nous et une autre fille qui travaillait à la maison, ça fait 10. Donc ils étaient en prière, ils ont passé la nuit précédant leur mort en prière. On le sait surtout par un frère qui a pu les avoir au téléphone le matin. Moi, j'ai jamais pu les joindre. Quand les tueurs sont arrivés, c'était dans les premiers à être visés, donc c'était bien prévu. Ils ont senti que c'était les derniers moments, alors Daforoze a demandé d'aller prier, devant une dernière fois d'aller saluer le Saint-Sacrement. Et là, un soldat l'a frappé avec la crosse de son fusil, et probablement comme ça, tac, lui a classé la clavicule. Et puis le militaire est allé tirer dans le tabernacle. Même quand je suis rentré, les traces étaient toujours visibles, traces de balles. Et alors Ils ont pris tous les hosties, ils ont jeté par terre, un peu partout. Donc ce qui manifeste quand même une haine de la foi. Et ils ont été installés dans leur jardin en deux rangs. Et on les a assassinés comme ça. On les a fusillés tous, même les petits, même la plus petite. La plus petite qui avait peut-être 4, 5 ans. Et puis quand mon petit frère, celui qui a vu les gens tomber, mais il a reçu une balle à l'épaule, il est tombé, et puis il a pris un peu de son sang, il l'a mis sur son front. Et quand les militaires sont venus vérifier si tout le monde était mort, lui aussi il a fait le mort. Quand ils sont partis, il s'est relevé, il a dit aux autres, relevez-vous, ils sont partis. Parce qu'il croyait que les autres avaient fait comme lui. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était seul, le seul survivant. Et puis il nous a appelés. Leur mort ne m'a pas surpris, parce que c'était le porte-parole des marginalisés. Donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait été sur la liste des premières personnes à être éliminées. None se, uyu mugabo n'umugore b'amateka atangaje, Kiliziya Gatolika yatangirije inzira yo gushyirwa mu rwego rw'abatagatifu, bari bantu ki? Longtemps, la beauté de ce pays m'est restée inconnue.
Dorcy Rugamba ni umwe mu bana bane bakiriho ba Cyprien na Daforoze ni umwanditsi n'umutoza w'abakinnyi mu ikinamico akaba nabika ku buryo bukomeye amafoto y'imbonekarimwe yarokotse isahura ry'inzu y'iwabo. Ça c'est la plus ancienne qui date de 1963. C'est une photo de ma mère. Elle était encore jeune fille, elle n'avait pas encore épousé mon père aussi. Elle a grandi dans une famille très chrétienne. Son père, si je ne m'abuse, a été catéchiste. Nubwo kwemera kwa Gikristo n'isengesho byagize umwanya ukomeye mu muryango Daforoze akomokamo, uwa Cyprien ugendera ku kwemera gakondo. Yombi ikomoka mu gace kamwe k'amajyepfo y'igihugu, iraziranye. Ni na se wa Daforoze wateguye umuryango wa Cyprien kuri batisimu baje guhabwa abakuze. Mu 1954, Cyprien wari umunyeshuri w'umuhanga ushishikajwe n'umuco ndetse n'ubusizi, yoherejwe mu iseminari nkuru adashishikajwe cyane n'iby'iyobokamana. Ça, c'est une photo de Cyprien, de Rugamba, qui est au grand séminaire de Nyakibanda. Je le vois en soutane de séminariste. La mère de Rugamba, qui n'était pas d'accord pour qu'il devienne prêtre, se moquait de lui à chaque fois qu'il le voyait. Il disait « Ah, mademoiselle !» Durant le cycle de philosophie, il apprend les philosophes existentialistes et matérialistes qui niaient l'existence de Dieu. Il s'éloigne de la foi petit à petit. Comme il le dit lui-même, il voulait mettre Dieu dans sa tête, le comprendre, le saisir, mais Dieu lui échappait. Il a quitté le séminaire à l'époque des années 59. Et aussi sous l'influence de la société rwandaise qui commençait à bouger. C'est-à-dire que toute l'Afrique était dans une phase aussi de décolonisation. Les lettrés commençaient à remettre totalement en question aussi une éducation qu'ils avaient reçue. Cyprien ajya kwiga amateka mu Burundi nyuma ajya mu Bubiligi. Rugamba wari uzi kureshya cyane kandi akamenya kubyina cyane injyana ya twist yiyeguriye ubusizi ndetse bidatinze aza kuba umusizi wamenyekanye cyane mu Rwanda. C'est Rugamba à un moment donné qui a écrit probablement le plus beau poème romantique de la langue rwandaise. C'est Rugamba amoureux, à un moment donné, d'une femme dont il était totalement épris, qui s'appelait Xaverina, qui est la cousine de ma mère. Mais qui va être tuée en 1963 dans les massacres qui ont eu lieu dans cette contrée de Kianika. Et Cyprien a tenu à rester dans cette famille et l'a demandé la main de Daforoze. C'est dans cette période-là, effectivement, 65, deux ans après, que le mariage de mes parents en fait a eu lieu, mais qui était beaucoup plus, je pense, un mariage, une affaire entre familles, d'une certaine manière. N'eût été la culture, ces personnes-là ne se croisaient pas. Et c'est pour ça peut-être que la suite de l'évolution du couple Cyprien Daforoze est assez surprenante. Et totalement surprenante. Imyaka ine ya mbere y'urugo rwubatswe hubahirijwe umuco yaranzwe n'ibihe bikomeye birimo n'uko inda ya mbere yavuyemo. Cyprien yakomeje kuburabuzwa no kwibuka uwari umukunzi we wa mbere wapfuye ndetse ntiyaha Daforoze umwanya we nk'umugore. Daforoze akaba yaraje kugwa mu nzita n'izishyari ry'abo mu muryango bamureze guha umugabo w'inzaratsi. Umubano wari ugeze habi ku buryo Cyprien yafashe icyemezo cyo gusenda Daforoze. Nyuma gato y'ivuka ry'imfura yabo yanagumanye. Umunsi umwe nta bisobanuro amuhaye amushyira mu modoka n'utwangushye twe amusubiza iwabo. Dans la culture rwandaise, c'est vraiment quelque chose de très grave. Une femme qui est répudiée, c'est une insulte grave à la famille de la femme. Et une insulte et un malheur grave à la femme même qui est répudiée. Nyuma y'amezi umunani amusenze, Cyprien yumvise ko Daforoze arengana. Atakoze ibyo yaregwaga ajya kumucyura. Umuryango urasubirana, ariko nubwo havutse abana benshi, imyaka yakurikiye nayo yari igoye. Akababaro ka Daforoze kasongwaga n'ubuhakanyi bw'umugabo we wahisemo imigenzo ya gakondo. J'avais un petit frère qui s'appelait Serge, et quand papa est venu voir maman qui avait mis au monde Serge, il a vu une crucifix dans la chambre. Il s'est empressé de prendre le crucifix et de le casser en deux. Il était furieux, il ne supportait pas de voir ça.
Et maman s'est mise à pleurer, il a prié. Donc. Il deviendra à un moment donné vraiment un athée farouche. C'était vraiment une partie très revendicative à ce moment-là de Lugamba, qu'on retrouve dans sa chanson, qu'on retrouve dans sa poésie. Ariko kwemera kwa Daforoze ntikwacogoye. Amaze kubyumvikana na Cipriani ajyana abana be mu misa agasengana nabo buri munsi adacika intege. Dans tout ce qu'elle lui a fait vivre son mari avant sa conversion, elle a beaucoup souffert, mais sa souffrance, elle a porté beaucoup de fruits parce qu'elle a su l'offrir. Sa souffrance a été une offrande qui lui a valu la conversion de son mari. Kuzamuka mu ntera ku kazi ka Cipriani kwaje kugera ku isonga bwangu. Nyuma y'imirimo myinshi ikomeye, yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi mu by'ubuhanga butari mu majyepfo y'igihugu, ndetse binamufasha guteza imbere ishyaka rikomeye yari afitiye umuco w'u Rwanda. Lugamba a été quelqu'un qui s'est trouvé au moment de la transition, qui a pu connaître les derniers dépositaires d'un Rwanda précolonial au moment où il disparaissait, et qui s'en est imprégné beaucoup de vraiment de la culture traditionnelle, qui la connaissait profondément, dans une connaissance quasiment encyclopédique. Mu bihangano ndangamuco bye byinshi, Cipriani yashinze itorero ry'imbyino gakondo, yabonagamo ukwigaragaza guhanitse ku muco w'igihugu cye. Racontait, il disait, quand je prends les jeunes qui viennent, ils mélangent les Hutus, Tutsis, toi. Et il nous disait, voilà, ils se complètent tellement bien. Il a su marier toutes ces richesses des Rwandais et les mettre au service de la culture. Au lieu de chercher les choses qui nous séparent, on devrait chercher plutôt les complémentarités. Voilà, ça c'est Lugamba. C'était un homme qui aimait sa nation, qui était fière d'être rwandais et qui voulait que les jeunes reçoivent cet héritage. Hamwe n'itorero Amasimbi n'Amakombe, Cipriani yamenyekanishije umuco nyarwanda mu mpande zose z'isi. Ariko amacakubiri atutumba akomeza gusenya igihugu cye umunsi ku munsi, akomeza kumutera impagarara no kumuhungabanya. Muri za 80 yafashwe n'indwara yayobeye abaganga. Vous n'avez plus d'appétit, ne savez plus se nourrir correctement, avait perdu le toucher, n'écoutait plus bien, il avait perdu l'ouïe, et puis tout ira jusqu'à ce qu'il perde tous les sens, jusqu'à la vue. Et pendant cette période, parce que justement, Daforoze était chrétienne, elle priait, elle soignait son mari. C'est ce que Cyprien m'avait dit, que Daforoze, malgré tout ce que je lui ai fait, elle ne m'a pas quittée pendant que j'étais malade. Au contraire, elle a pris soin de moi. Là, son Dieu sera mon Dieu. Yabaye intambwe ya mbere y'ihinduka ritangaje mu myemerere yahinduye ubuzima bwa Cipriani na Daforoze. Intambwe ya kabiri yabereye mu ndege yajyanaga Cipriani mu Bubiligi kwivuza indwara yayobeye abaganga. Une fois dans l'avion, il a senti une force monter en lui. Il s'est mieux senti, il a dit à moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois, je sens quelque chose qui change en moi. Ils ont passé quelques jours en Belgique, ils sont rentrés, mais il était tout autre. Et puis, la conversion est venue juste après. Iyi ntambwe ya nyuma, Cipriani ayivugaho mu kiganiro yahaye abanyamakuru ari ku ibaraza ry'inzu yabo nyuma y'imyaka ibyo bibaye. C'est assez curieux à dire, mais c'était à travers une chanson. Une chanson que je composais moi-même. Qui me venait comme une inspiration et je sentais que j'étais en quelque sorte envahi par le Seigneur. Et pour la première fois, depuis que je compose les chansons, je me suis mis à le chanter. Je me suis mis à le reconnaître comme le roi suprême qui devait m'accueillir dans son ciel. Et à partir de ce moment, le Seigneur n'a cessé de m'éclairer et de m'attirer. Et c'est comme ça que c'est parti. Mu izingiro ry'uko kugarukira Imana gutangaje, ni urugo rwa Daforoze na Cipriani rwazutse.
Elle était aux anges, ça se voyait, elle était très souriante. En fait, on voyait, c'était comme la récompense de sa patience. Son épouse vraiment a connu le martyre du foyer. Et son mari le savait. Et il ne cessait pas de demander pardon. Et puis, ce qui a immédiatement changé de façon très claire, c'est que lui et Dafrosa étaient devenus inséparables. Quand on les approchait, on voyait d'abord un immense amour, une très très grande tendresse. De ma vie, je crois que j'ai rarement vu un couple aussi intime, aussi avec une connivence, sans parole. On a vu papa commencer à aider maman dans les tâches ménagères, papa faire la vaisselle, ça, on n'avait jamais vu ça. Dafrosa yababariye byuzuye ku buryo yanazanye umwana Cyprien yari yarabyaye hanze kugira ngo amurerane n'abandi. Kuri bo ubuzima bushya bwari butangiye. Nyamara ubwo buzima bushya ntibwatinze guhura n'ibigeragezo. Mu mpera z'umwaka w'1980, mu gihe amakimbirane ya politiki yatutumbaga mu gihugu, Cyprien yirukanwe ku kazi ke keza. Umuryango uhita wimukira i Kigali. Cyabaye igihe kigoranye kuri Cyprien, ari nacyo yabayeho ubuzima bwa roho butangaje, bwaje kumaranga iminsi ye yose yarasigaje kubaho. Cyprien nous a partagé à quelques-uns. Ça a été très fort dans sa vie, c'est-à-dire qu'à un moment où il se trouvait en prière, il a eu comme si quelqu'un l'interpellait, et une voix vraiment qui l'entendait, à tel point qu'il s'est retourné, qu'il a cherché qui lui parlait, et qui lui disait je veux par toi, par ta vie, faire une œuvre de rédemption. Et ça l'a beaucoup marqué, il l'a entendu 3 fois de suite, et ça s'est gravé en lui, dans son cœur. Ni muri ibyo bihe aba bashakanye bahuye na communauté ya Emmanuel mu Rwanda biciye ku bakorerabushake b'umuryango utegamiye kuri leta Fidesco barimo Annick Bescon umurayiki wiyeguriye Imana bahita baba banywanyi mu buzima bwa roho. Ils aimaient Jésus de tout leur cœur, de tout leur être. C'était vraiment des passionnés du Seigneur et ils voulaient servir le Seigneur, être témoin de son amour, justement de cet amour transpercé, miséricordieux. Et là ils ont rencontré des frères et sœurs avec qui ils ont compris qu'ils pouvaient vivre et épanouir cet appel. Et donc nous avons commencé à 4, Basilissa, Cyprien, Dafrosa et moi-même, des petites rencontres fraternelles tous les mois. Muri communauté ya Emmanuel yashinzwe na Pierre Gusa mu Faransa, Cyprien na Dafrosa bahasanze ibyo bari bafite inyota binyuze mu buzima bw'Ukaristiya, gusingiza Imana, ugushengerera no kwamamaza inkuru nziza. Mu 1990, nyuma y'urugendo rwa roho rwihuse rwabagejeje i Paris le Monial, Cyprien na Dafrosa bateye intambwe binjira muri communauté ya Emmanuel banashinga umuryango mu Rwanda mu bihe bya politiki byari bikomeye cyane. Je suis émerveillé par le fait que la communauté de l'Emmanuel naisse sans connaître les plans du mauvais ou de Dieu sur le Rwanda, naisse une semaine, 7 jours avant qu'une guerre éclate au Rwanda. Je crois que Cyprien Dafrosa ont étaient des signes d'unité. Il parlait aux membres de sa communauté en leur disant « Vous n'êtes ni Hutu, ni Tutsi, ni toi, vous êtes frères et sœurs. Vous n'êtes d'aucun parti, vous êtes du parti de Jésus. » Kuva igihe Cyprien agarukiriye Imana anabifashijwemo na Dafrosa, bombi batangiye kwita ku bakene banagerageza kubafasha no kubahumuriza. Mu rwego rwo kunganira ubukungu bw'umuryango wabo butari bumeze neza, Dafrosa yatangiye ubucuruzi buciriritse ku isoko, aho niho yahuriye n'abana bo mu mihanda bajyaga bamwe ibibirayi. Des enfants qui étaient tout sales, des enfants qui étaient battus, qui étaient pris pour des petits bandits, des petits délinquants. Mais elle l'a eu avec son regard de chrétienne, elle a eu un regard plutôt de compassion avec eux. Elle a commencé à parler avec eux. Et puis s'est dit, tiens, ces enfants sont intelligents, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ils ont commencé tout simplement. 20 000 francs rwandais que son mari lui a donné, et ils payaient pour que les enfants puissent se laver, puissent laver leurs habits, puissent être propres. Et puis elle prenait le temps de les écouter, de causer avec eux, et de leur montrer qu'ils étaient des enfants comme d'autres.
Ubu ikigo cyabitiriwe cyashinzwe nyuma y'urupfu rwabo cyakiriye abana basaga 1,500 nyuma yo kuva mu muhanda basubiye mu buzima busanzwe ndetse rimwe na rimwe no mu miryango bavukamo. Hagati y'1994 na 1994 ubushyamirane n'ubugizi bwa nabi bwakajije umurego mu gihugu. Sipiriyani yanze amacakubiri ashingiye ku moko na politiki akomeza kurwanira ubumwe bw'abanyarwanda nta kuruhuka anyuze mu ndirimbo ze buri gihe zabaga zimurikiwe iteka n'ivanjiri. Il était toujours tout aussi conscient d'ailleurs du danger que courait le pays, mais dans une dynamique beaucoup plus positive de convertir le plus de gens, d'appeler à l'amour. Dans les dernières chansons de Lugamba, l'amour revient systématiquement. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup de chansons là-dessus. Comme sans doute la vraie porte de sortie d'une certaine manière. Il y a eu des événements très étonnants la veille de sa mort. Il faisait une répétition de sa chorale et il chantait un chant sur la Jérusalem céleste. Comment j'entrerai à la Jérusalem céleste? Alors on l'a chanté et puis tout d'un coup il disait « Ah non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on rentrera à Jérusalem. » Alors il leur a dit « Je vais vous montrer comment moi j'entrerai dans la Jérusalem céleste » et il s'est mis à danser la veille de sa mort. Muri iryo joro indege yari itwaye perezida w'u Rwanda yahanuwe n'igisasu. Biba imbarutso ya jenoside ikomeye yuretse igihugu mu kaga gateye ubwoba, ariyo Sipiriyani na Daforoza n'abana babo biciwemo mu ba mbere. Nyamara nubwo hapfuye 1/3 cy'abayigize, komunote ya Emmanuel benshi batinyaga ko izazimira nyuma y'urupfu rwa Sipiriyani na Daforoza yagabye amashami mu gihugu cyose. Na nyuma y'ubwicanyi abayigize bongeye guhura bafite icyifuzo kivuguruye cyo kubaho ku buryo bw'ivanjiri. La communauté n'a cessé de grandir jusqu'à aujourd'hui avec c'est vrai une réputation parmi toutes ceux qui existent au Rwanda de légitimité parce qu'il y a beaucoup de témoignages de droiture, de comportement pendant les événements héroïques. Il y a eu Cyprien et Daforoza, mais il y en a eu d'autres et donc qui touchent les cœurs. Aujourd'hui, il y a à peu près 1200 membres et donc c'est la deuxième communauté la plus nombreuse, Emmanuel, dans le monde après la France. Uyu munsi, communauté Emmanuel mu Rwanda ikomeje ibikorwa bya Sipiriyani na Daforoza byitangira ubumwe n'ubwiyunge. J'en parle autour de moi en disant « Tiens, toi tu devrais prier Cyprien et Daforoza. » Une petite histoire qui m'est arrivée à une femme à qui j'avais dit « Voilà la prière, je te donne la prière et puis tu peux prier. » Elle avait une intention particulière. Et bien, elle a commencé une neuvaine et alors au milieu de la nuit du deuxième jour, elle s'est réveillée et elle me dit « Il y avait une femme noire dans ma chambre. » Et j'ai reconnu, c'était celle de la photo. Et Daforoza lui a dit une phrase qui pourrait être hyper précieuse. J'ai passé beaucoup de temps sans mettre les pieds dans une église. Je ne pouvais pas. Et je me suis surpris dans beaucoup de situations où finalement, où les choses me paraissent compliquées, où je n'ai pas d'issue, à les invoquer finalement. Alors je ne sais même pas ce que ça représente. Je sais qu'ils sont là, d'une certaine manière, et qu'on chemine ensemble.